Et pour la première grossesse, vous avez fait comment ? Alors, ouais, pour la première grossesse, c'est vrai que j'avais tout fait comme il fallait, le sport, l'alimentation. Là, je suis un peu plus vieille et du coup, pour la deuxième grossesse, un peu plus doux, j'ai fait de la gynéco suédoise. Et on lève le ballon ! On pose le ballon ! On lève le ballon ! Et on lance le ballon ! Rudy, ce ballon représente votre enfant et votre intérieur émotionnel profond. Je vais le chercher alors, hein. Alors, ma petite dame ? Ah, beaucoup de cheveux quand même. On s'est inscrit pour perdre son petit gras ? Mais je suis enceinte. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis le sosie de Brad Pitt. Allez, 150 pompes au Pigolberg. Allez, une, plus bas. Je suis enceinte. C'est pas une excuse ! Une ! Voilà ! Oh, je suis tombé sur une feignasse, hein. Non, mais je suis tombé sur un malade. Le gars est fou. Bon, maintenant on va se faire la technique de la fourmi. Alors on fait travailler les autres ? Non, tu vas porter 1000 fois ton poids. Ça fait 990. Plus 1. Tire ! Allez, tire ! C'est dans les cuisses ! C'est dans les cuisses ! On tire ! Mais vous êtes enceinte ? Vous êtes inconsciente ? Mais je l'ai dit 3 fois. Bon, on va changer d'exercice. Allez, tire ! Tire, pouce, soulève, tire ! Allez, tu vas être une mauvaise mère sinon, alors tire ! Allez ! Oh, moi je suis désolé, hein, j'avais pas vu qu'elle était pleine. Bon alors, pour une bonne alimentation, il faut... Des fruits et des légumes. Non, de la viande. Ah oui, là oui. Et de la viande bien cuite pour éliminer les bactéries pour le bon développement du bébé, ça je savais. Non, bleu, pas cuite, saignante. Comme ça, le petit apprend à mâcher. Mais il n'a pas de dents à un bébé. Parce que tu lui donnes pas de viande. Pourquoi t'es touché la... Vous avez continué le sport ? Oh ouais, finalement, j'ai laissé tomber. Pas le sport, hein, ce coach. T'es trop fou. Là, je révise surtout le texte, hein, les mouvements, je verrai après. En plus, elle me ressent, je me projette grave. On dirait mon corps, un peu. Enfin, à fond.